Salut à tous, c'est Léo Zhang et on se retrouve aujourd'hui pour ce 10e épisode commenté de Zelda Ocarina of Time. Si c'est pas magnifique ça. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je marche en arrière pour aller beaucoup plus vite. C'est un petit glitch de ce jeu et ça permet d'éviter les trajets, voilà. Alors, j'avais dit dans ma dernière vidéo qu'il y aurait des récompensés pour si vous trouvez les solutions. Néanmoins, j'ai eu un souci, gros souci. Je vous précise le souci, c'est que en réalité, il s'est avéré que personne, en tout cas personne à l'heure où j'avais promis que je donnais la réponse, c'est-à-dire maintenant, n'a trouvé la bonne réponse, ou en tout cas exactement la bonne réponse. Bon, on va vite passer ce moment un peu chiant où je vous dis pourquoi. En gros, j'avais deux trucs sur mon bureau, un verre de grenadine et un verre de lait, et personne n'a su me dire très exactement verre de grenadine et verre de lait. Donc il y a une personne qui m'a dit un truc très proche, c'est verre de lait et verre de sirop à la menthe. Et ça, honnêtement, c'est presque pareil. Donc on va dire que XXTHC27XX, t'es le premier à avoir dit ça, donc t'es un des gagnants. Et le deuxième, il m'a dit, effectivement, il m'a dit lait et grenadine, mais il a dit deux autres trucs, et ça c'est pas tolérable, parce que j'avais dit qu'on en avait que deux. Mais bon, comme il a trouvé les deux et que c'est le seul, je le considère comme un gagnant aussi. Donc voilà, bravo à tous les deux, j'avais pensé vous faire une surprise, mais en fait, désolé les gars, si je vous fais cette surprise, ça va pas être super sympa, ni pour ceux qui regardent la série uniquement pour la série, ni pour ceux qui ont participé et auraient pu gagner. Donc je préfère juste citer vos noms, bravo à vous, voilà, soyons fairs, et ça suffit, c'est déjà pas mal, n'oublions pas que ce n'est qu'un jeu. Donc, je reviens sur le sujet principal de ce walkthrough, Zelda. Alors lui, c'est Ingo. Le travailleur, c'est surtout le vilain travailleur. Donc déjà, vous voyez, il est un petit peu sur les nerfs en ce moment. Faudrait prendre des trucs, là, Hugo. T'as des substances pour te calmer. Des antidépresseurs, par exemple. Le grand Ganondorf lui a donné ce ranch. Donc en fait, en gros, Ganondorf, le roi, a récupéré le ranch de Talon et l'a donné à Ingo. Bravo, Ganondorf, très bonne décision, parce que grâce à toi, je vais me faire un cheval. Et il propose pour 10 rubis une petite attraction. Pendant une minute, on peut monter un cheval. Non, j'ai pas envie de savoir comment on monte. Allez, next. Notez au passage qu'il me dit merci beaucoup. Ce qui veut dire en gros, bah merci beaucoup, je vais prendre ton fric et toi tu sers à. Et ce que tu fais sert à rien. Alors. Notez qu'on appelle Epona, c'est ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup plus de dextérité à la chanson. Oui, c'est ça. Depuis que j'ai changé les configurations pour jouer de l'ocarina, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, là on appelle Epona. Alors là, pendant une minute, on n'a rien à faire. Je vous précise que pendant une minute, tout ce que vous pourrez faire, c'est juste courir autour du ranch et ça sera déjà pas mal. Il faut s'entraîner à le battre parce qu'il me semble que les courses sont pas difficiles, mais un peu peuvent s'avérer plus dures que prévu. Mais je crois que je vais y arriver, hein. Epona, c'est un truc que je manie assez bien quand j'en ai envie. Hop. Allez, tchac. On va sauter ça. Vous voyez, c'est magnifique. C'est vraiment génial, ce truc. Vous pensez qu'à l'époque, je crois pas qu'il y ait beaucoup de jeux qui allient le RPG, si on peut dire, role player game, et le, bah, justement, le fait d'utiliser un cheval. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Bah, ça me fait penser à Red Dead Redemption, un jeu beaucoup plus moderne, hein, du moment, hein. Mais si on y pense, c'est un peu le même... Enfin, c'est pas du tout le même concept, mais c'est vraiment... C'est vraiment le début des jeux d'action comme ça, et je trouve ça génial. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà fini? Bon, bah, ça tombe bien, parce que je comptais que ça se finisse le plus vite possible. Pour récupérer ton cheval, tu vas vite comprendre pourquoi. Donne-moi 10 rubis et tu pourras monter un de mes chevaux. Mais oui, j'ai très envie. Veux-tu savoir comment monter? Mais non, j'ai pas envie. Merci beaucoup. Hé, espèce de sale petit. Bon, plus sérieusement, on recommence. Attendez. Voilà. On recommence la même opération assez rapidement. On appelle Epona, avec le chant d'Epona. Sauf que cette fois, on va pas passer une minute complète à tourner en rond. En fait, il faut le faire une fois, mais pas la deuxième fois. Non, cette fois, vous allez voir... espèce de traître de jeu, je sais même plus comment il s'appelle, et vous lui parlez en le sélectionnant. Tu t'améliores, ça te dit une petite course contre moi? Le premier à faire le tour de l'enclos a gagné.
paye-moi 50 rubis et c'est parti. Tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Alors... Il faut... La technique, hein. Je dis bien, la technique, c'est de ne jamais le laisser vous doubler. Commencez premier, vous êtes quasiment certain de gagner. Parce qu'il va se sentir... Enfin, il va se sentir... Si vous le... Ah, je sais pas ce que j'ai fait, là. J'ai fait n'importe quoi. Oh, mon Dieu, si je perds là, ça risque d'être dommage, quand même. Remontée en puissance de Léo Zhang. Merci de votre admiration, mes amis. La foule est en délire. Mais qu'est-ce que c'était beau, ça. Epicness moment. Vous voyez comment je... Je l'ai laissé passer devant parce que je suis un mec sympa. Et finalement, bah, j'ai gagné. Non. Regardez comment il est énervé. Dis donc, le mec, c'est une crise d'hystérie qu'il nous fait, là. Il va avoir des convulsions et tout. Bon, deuxième fois, beaucoup plus dur cette fois. Allez, je me concentre. Alors, la technique, juste le doubler, en fait, au début. Voilà, comme ça. Et là, vous êtes quasiment certain de gagner si vous faites pas de bourde. Hein. Voilà, et en plus, on va essayer de prendre de la marge. J'ai nommé de l'avance. Vous voyez, pas de difficulté particulière. Non, là, on, en plus, on y va même pas beaucoup sur les carottes. Non, vraiment, très facile. Mais il faut le truc à faire, c'est vraiment de le doubler. Allez, on envoie toutes les carottes, là. Le truc à faire, voilà, c'est vraiment de le doubler. Et une fois que c'est fait, pas de problème. Yeah. Mais dis donc, il s'énerve. Quelle est cette jument? Est-ce Epona? Mais oui, c'est elle. Comment as-tu pu dresser cet animal sauvage avec sa chanson? Cette jument était destinée au grand Ganondorf. Mais je l'ai parié et perdu. Non. Comme promis, tu peux garder le cheval. Cependant, tu ne sortiras jamais de ce ranch. Ah ouais. Ah ouais, tu veux en reparer des 50 rubis. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est... on va faire un petit tour avec Epona. Oui, je sais, c'est long, inutile. Alors, on va pas faire un petit tour. Vous allez voir. En fait, il faut foncer au galop et Epona va sauter toute seule parce qu'elle est grande et capable. On va pas faire un petit tour, on va juste faire un demi-tour pour avoir un peu d'élan. Alors, Epona, montre-moi ton talent. Allez, 3, 4... Il me fait quoi, là? J'aime pas ça. On m'explique pourquoi. Alors, attendez, peut-être que c'est plus là. Si, si, je confirme que c'est là qu'il faut sauter. Allez, on va recommencer. Parce que cette fois, on va aller beaucoup plus droit. Allez, demi-tour. Epona, t'es prête? C'est parti. Et voilà. Tu l'as bien dans l'os, là, hein, petit. Et peut-être qu'on va avoir un flashback sur lui en train de hurler. Même pas. Oh non! J'aurais bien aimé voir sa tête, là. Sachant qu'elle a quand même la super musique, parce que, comme vous pouvez le voir... J'ai gagné un cheval. Et ça, je vous dis, ça change la donne. Bon, et ben voilà, mes amis. Vous voyez comment c'est beau, la vie, quand on a un cheval. En plus, non, très sérieusement, ce cheval va me servir énormément. Et au fait, j'ai pensé à un truc. Quelqu'un m'en a parlé, et j'avais déjà eu l'idée. Mais bon, c'est vrai qu'il a aussi eu l'idée lui-même. Donc voilà, bref, on va revenir à ce que je pensais. Je me suis dit que les quêtes annexes, il y en avait certaines que je comptais faire. Et comme je vous avais promis que je n'essaierai pas trop les faire pour bien respecter l'histoire, on va sortir de ce cheval, il veut pas grimper les escaliers. Non, descendre, voilà. Donc comme je vous avais promis que je comptais faire les quêtes annexes, et que je... Enfin, que je... Non, que je comptais pas les faire et que je veux en faire, je vais faire des épisodes un peu hors série, si on veut dire, des bonus. Et ce sera là, dans ces bonus-là, ces épisodes bonus que je... Que je ferai les quêtes annexes. Sachez que le prochain épisode bonus va apparaître très bientôt et que je vais récupérer un objet absolument énorme en termes d'importance, en termes de puissance, alors qu'on n'est pas obligé de l'utiliser pour la quête principale.
Et voilà, donc bon, c'est un épisode un peu court, mais n'empêche que on a fait une petite quête annexe pour capturer Epona, qui est un des trucs mythiques de ce jeu. Et ça m'a bien plu de faire cet épisode. Merci à vous, n'oublions pas les deux gagnants du jour, Nick Kerno et XXTHC27XX. Bravo à eux, et c'était Léo Zang, à plus.